Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur, notre Dieu merveilleux, notre Dieu est bon. Merci Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Si nous pouvons inviter d'autres personnes hein, avec qui nous avons l'habitude d'être ensemble, nous pouvons les inviter. Alors, nous allons commencer ce moment bien-aimé et les autres bien-aimés qui vont nous rejoindre en cours de route, bah, écoutez, ils sont toujours les bienvenus, ils seront là et ensemble nous allons glorifier le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit que tu coulerais, il nous a pas dit que nous allons demeurer dans la situation dans laquelle nous sommes, mais il nous avertit, il nous dit d'avancer. Et mais comment avancer avec ce grand Dieu? Comment avancer avec lui, bien-aimé? Alléluia! Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Il est celui qui agit. Dans le moindre détail, il agit et il se révèle. Amen, amen. Que son saint nom soit glorifié, que son puissant nom soit honoré. Nous allons bien aimer recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Et nous allons demander au Seigneur, dans son amour, de pouvoir, au fait, nous assister par le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de nous pardonner, de nous laver par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et par le Saint-Esprit, nous allons lui demander de nous assister, de nous parler. Parce que nous avons soif de lui, nous avons besoin de ces grands dieux, de ces puissants dieux. Amen, amen. Merci éternel Dieu notre roi, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et tu es notre bouclier. Nous sommes dans la joie Seigneur Dieu de gloire d'être dans ta présence, car c'est dans ta présence que tu nous fais du bien. C'est dans ta présence éternel Dieu de gloire que tu te révèles dans nos vies. C'est dans ta présence Seigneur Dieu d'amour que tu agis dans nos vies, dans chacune de nos vies éternelles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui as veillé sur nous depuis le matin jusqu'à 7h Seigneur Dieu de gloire. Tu es celui qui a combattu pour nous. Et tu es celui qui nous a donné ta victoire. Alléluia, parce que nous avons marché dans ta victoire. Ce n'est pas dans notre victoire, mais dans ta victoire. Nous n'avons pas mérité, Seigneur, ton amour, ta protection, ta sécurité, mais nous avons été au bénéfice de ton amour, de ta sécurité, Seigneur. C'est une joie pour nous, Seigneur Dieu de gloire, à cette heure, Seigneur, à ce moment, que nous soyons dans ta présence. Oui, c'est une joie pour nous, éternel Dieu de gloire. C'est une joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu est là avec nous. C'est pourquoi nous te disons merci. Et en même temps, Seigneur, parce que nous venons à toi, nous reconnaissons aussi nos faiblesses, nous reconnaissons aussi nos manquements. Parce que nous venons à toi, Seigneur Dieu de gloire, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes rien et nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, éternel Dieu de gloire, en reconnaissant ta sainteté, en reconnaissant ta grandeur, nous reconnaissons aussi notre petitesse. Nous reconnaissons aussi nos péchés, Seigneur, et nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne aussi à chaque membre de nos familles. Oui, pardonne à chaque membre de nos familles, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne à chaque membre de nos familles. Laisse que ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ce sang libérateur, ce sang puissant, ce sang glorieux, ce sang victorieux, que le sang de Jésus-Christ coule abondamment dans nos vies, éternel Dieu de gloire. Le sang de victoire de Jésus dans nos vies, ô tendre Père, dans nos vies, éternel Dieu souverain puissant, le sang de Jésus pour nous laver, pour nous sanctifier, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Ô éternel Dieu d'amour, laisse, ô tendre Père, que ton Esprit Saint puisse nous remplir, que l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire remplisse nos vies de toi, remplisse nos vies, Seigneur, de ta sainteté, de ta Seigneurie, éternel Dieu de gloire. Oui, remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi, éternel Dieu de gloire, de ta présence, Seigneur, de la présence de ton Esprit Saint Jésus, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments, que ce temps puisse t'honorer, que ce temps puisse te glorifier, Seigneur Dieu puissant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Dieu puissant. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es saint, tu es redoutable, tu es vivant et tu es puissant, Seigneur. C'est une joie pour nous d'être là devant toi. C'est vraiment une joie pour nous, Seigneur, de pouvoir t'honorer. Une joie pour nous, éternel Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, être dans ta présence, de pouvoir t'écouter, Jésus. Oh, merci parce que tu nous fais du bien au travers de ta parole. Merci pour ce moment. Règne, Maître, que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Éternel, là où se trouve chacun,
chacune des personnes qui vont suivre, Seigneur, nous-mêmes ici où nous sommes, éternel Dieu de gloire, même ces bien-aimés qui vont nous suivre en différé, garde et protège tout un chacun, garde et protège aussi la famille de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Père, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là, je vois personne, je vois pas les noms en fait. Je vois qu'il y a des gens qui sont là, mais je vois pas les noms. Je sais pas ce qui se passe des fois. Bon, je sais pas trop. Donc, mais je sais que vous êtes là parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là, sauf que je les vois pas en fait. Je les vois pas. Ah, là, je vois ma Tania, ma Miss, je vois ma Germaine et Longue. Là, je vois de l'autre côté, oui, j'ai vu quelques noms. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle dans vos vies. Je vois encore d'autres personnes en haut là, mais je ne sais pas exactement c'est qui. Mais que Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés, nous allons parler aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'écrire les titres, mais j'ai fait j'ai écrit au fait... j'ai fait la petite miniature et là j'ai écrit les thèmes. Alors Dieu avertit, si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est Dieu qui le dit, c'est dans sa parole, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, mais c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Si nous abandonnons l'Éternel, bien-aimé, lui aussi il va nous abandonner. Il honore ce qu'il honore. Sa parole c'est la vérité. Tel que je l'ai écrit dans la miniature là, la parole de Dieu c'est la vérité. Ce qu'il promet, il réalise. Et quand il nous avertit, nous devons prendre au sérieux l'avertissement du Seigneur. C'est très important. Nous devons prendre au sérieux quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous avertit. Ne prenons pas les avertissements du Seigneur, à la légère, parce que nous ne devons pas les prendre à la légère. Donc les thèmes... Dieu avertit, si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 2 Chroniques 15, si vous pouvez écrire le verset biblique s'il vous plaît. Alors 2 Chroniques au chapitre 15, le verset 2. 2 Chroniques chapitre 15, verset 2, la Bible nous dit... Et Azaria alla au devant d'Asa, et lui dit, écoutez-moi Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Azaria, c'est le prophète de Dieu. Il vient parler à Asa. Asa, c'est qui? Asa, c'est le roi de Juda. Asa, c'est celui qui a pris la place de son père. C'est dans la lignée de Roboam. Au fait, cette lignée qui est restée, selon que Dieu a dit à David, il y aura toujours quelqu'un sous ton trône à cause de l'alliance que Dieu a fait avec David. Quel que soit ce que Salomon a fait, quel que soit ce que Roboam a fait, Dieu n'a pas renié son alliance parce qu'il ne renie jamais son alliance. Il renie jamais sa parole. Dieu n'a pas renié son alliance parce qu'il avait dit, il avait dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui va succéder sur le trône de David. Il y avait toujours quelqu'un. Mais sauf que, sous Roboam, le royaume a été divisé en deux. Il y a eu Roboam dans la lignée de Salomon, donc de David, et puis Jéroboam qui était un des serviteurs de Salomon. Jéroboam qui est allé avec les 10 tribus Israël, qui va faire pécher Israël. Quelque part, Israël est sorti dans le plan de Dieu. Quelque part, Israël ne veut plus honorer le Seigneur parce que Israël suivait maintenant tous les péchés que Jéroboam lui a fait commettre. Il marchait dans les péchés de Jéroboam. Israël ne marche plus dans la voie de Dieu. Mais par contre, dans les royaumes de Juda, là où il y avait Juda et Benjamin, dans ces royaumes-là, nous voyons toujours, il y a toujours quelqu'un, la Bible nous dit, il a marché, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel et il a marché comme David et son père. Et dans cette lignée-là, il y a eu Abijah qui était là, il est mort et puis il y a eu son fils Asa.
Asa est venu au pouvoir. Les chapitres 14, déjà, nous voulons juste comprendre au fait l'histoire. Les chapitres, au chapitre 14, la Bible nous dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. C'est bien, non? Il commence très bien. Il commence par enlever tout ce qui est souillé. Il commence par enlever tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vraiment une très bonne chose. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Il dit à Juda, bâtissons des villes fortes et ainsi de suite. Donc pendant 35 ans, le pays était en paix. Parce que Asa, c'est quelqu'un qui honore Dieu. C'est quelqu'un qui fait des grandes choses. Vous savez, il a même enlevé les titres les titres que sa maman avait. Il a enlevé ces titres-là à sa maman. Il a détruit même les idoles d'Astarté que sa maman invoquait. Il les a détruits. Donc c'est quelqu'un qui est venu vraiment réparer les choses, réparer la communion entre Dieu et son peuple. Il les répare pour lui-même, il les répare aussi pour les enfants d'Israël. Il vient faire du bien. Tout ce qu'il fait là, c'est bien. Il a du zèle pour le Seigneur. Bien-aimés, regardons toi et moi. Quand nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas que nous avions du zèle pour le Seigneur? N'est-ce pas que peut-être maintenant aussi nous avons du zèle pour le Seigneur? Alléluia, c'est bien. Mais quelqu'un qui est dans ses ailes, qui est vraiment dans cet amour, qui brûle dans son cœur pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne les laisse pas comme ça pour dire, écoutez, ok, c'est bon, ce que tu fais pour moi, c'est très bien. Oui, Dieu est content pour ce qu'il fait pour Dieu, mais Dieu ne se limite pas là. Dieu maintenant va envoyer. Vous savez, Dieu, il est celui qui connaît tout. Ça, vous le savez, moi aussi, je le sais. Dieu connaît tout. Il connaît tout de toi, il connaît tout de moi. Rien n'échappe à sa connaissance parce qu'il est celui qui connaît tout. Et parce qu'il est celui qui connaît tout, il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Et lui qui connaît notre futur, il nous avertit. N'est-ce pas que maintenant, tel que nous sommes là, nous voyons quand même ou nous entendons les avertissements du Seigneur. Dans quel temps nous sommes maintenant? 2020, c'était une année difficile, n'est-ce pas, bien-aimé? Une année où nous avions connu des situations qu'on n'avait pas connues à l'avance. Mais comme la Bible nous dit, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc cette situation que nous avions connue en 2020, c'est une situation que les autres avant nous, des siècles avant, ont connue aussi. Mais maintenant, le Seigneur nous parle. Regardons la situation dans laquelle nous sommes. Et au travers de cette situation où nous sommes maintenant, bien-aimés, il y a eu beaucoup de faux. Où il y a beaucoup de faux. Il y a des choses qui se passent. Dans ces choses qui se passent, Dieu nous avertit. Dieu nous dit, comme il a dit à Asa, maintenant, Dieu va envoyer Azaria. Il va dire à Azaria, vas-y, va trouver Asa, parlez à Asa. Regardez tout ce qu'Asa a fait. Ce n'était que de bonnes choses. Mais Dieu va envoyer Azaria pour lui dire, écoute Asa, toi, les enfants de Juda, ceux de Benjamin, il leur dit, écoutez, si vous... Écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Là maintenant, vous marchez bien avec le Seigneur. Vous détruisez tout ce qui est idole. Vous détruisez tout ce qui est des ténèbres. C'est bien. Le Seigneur est content. Et parce que là, vous marchez avec lui, donc le Seigneur, lui aussi, il marche avec vous. Mais, quelque part, il dit, mais, n'abandonnez pas l'Éternel. Parce que si vous l'abandonnez, il va vous abandonner.
Maintenant que vous marchez avec lui, si vous le cherchez, écoutez, il va se laisser trouver à vous. Parce que vous marchez avec lui. Bien-aimé, on ne peut pas chercher le Seigneur si on ne marche pas avec lui. On peut dire au nom de Jésus, ça sera sans effet. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Mais si tu ne marches pas avec le Seigneur, tout ça sera avec effet. Et tout atteindra. Les flèches de l'ennemi nous atteindront. Si nous ne marchons pas avec le Seigneur, nous ne pouvons pas dire Jésus, Jésus, Jésus. Si par contre c'est Jésus là que nous disons Jésus, Jésus, nous sommes pas en lui, nous sommes pas attachés à lui, nous sommes pas nous sommes pas collés à ce Jésus-Christ là, nous ne les suivons pas. Nous devons suivre Jésus, nous devons nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth, parce que si on n'est pas attaché à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, quel que soit ce que nous pouvons faire, tout cela ne va pas aller, parce que nous allons faire pour des raisons quelconques. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. J'ai eu peut-être à poser quelques questions comme ça pour voir un peu, pour voir certaines choses, je vous les dirai. Et j'ai dit, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu nous parles, Seigneur. Oui, tu nous parles dans ton amour, tu nous parles parce que tu veux nous voir changer, tu veux nous voir prospérer, tu veux nous voir progresser, tu veux nous voir aller de l'avant avec toi. Ah, et à ça, il fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Mais Dieu qui connaît les futurs, il envoie un prophète pour déjà dire à Assa, Assa, prépare-toi. Maintenant que tu es attaché à Dieu, maintenant que tu es collé à Dieu, maintenant que tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, l'Éternel est avec toi parce que tu le cherches. Lui va se révéler à toi. Mais attention, les jours où tu vas l'oublier, les jours où tu vas l'abandonner, sache que le Seigneur t'abandonnera aussi. Bien-aimé, aujourd'hui nous prions, nous faisons des jeûnes et prières. Aujourd'hui nous sommes là, s'il y a des lives, nous sommes là, gauche à droite, nous sommes là. Dans nos églises, nous avons peut-être de ce que nous faisons à l'église. Nous sommes dans les ministères, nous faisons l'œuvre de Dieu. C'est bien, c'est très bien, mais persévère. Bien-aimés, si nous abandonnons le Seigneur le dit, il nous abandonnera aussi. C'est sa parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. N'abandonnons pas l'Éternel. Nous pouvons nous dire, mais comment abandonner l'Éternel? Mais si nous ne suivons pas la parole de Dieu, mais si, bien-aimés, nous allons à l'encontre de la parole de Dieu, comment nous pouvons dire que nous suivons Jésus-Christ? Si vous savez... Posez la question peut-être tout autour de vous. Vous posez la question à quelqu'un, mais pourquoi vous allez dans cette église-là? Ou pourquoi vous suivez ces pasteurs-là? J'ai entendu la réponse comme quoi, ah, moi j'aime beaucoup cette église-là parce qu'il y a du monde. Il y a du monde dans cette église. Donc, je vais dans cette église-là parce qu'il y a du monde. Dites-moi, où sont les intérêts de Dieu? Où est la place de Dieu? Parce que moi je veux parce qu'il y a du monde. Est-ce que je veux pour Dieu? Tout de suite, c'est non, c'est non. Vous voyez, je vous dis quelque chose de vrai. Peut-être vous avez déjà entendu ça. Mais pourquoi vous allez dans cette église? Ah, mais c'est parce qu'il y a du monde dans cette église. Hein? Donc, ces derniers temps, il faut là-bas, il faut aller là-bas. Parce que pourquoi vous allez dans cette église-là? Ou pourquoi vous suivez ces pasteurs? Là-bas, les gens s'habillent bien. Là-bas, il y a des ministres qui viennent. Là-bas, il y a des députés. Là-bas, il y a des femmes, des professeurs et tout ça. Pour trouver du travail, je n'aurai pas du mal. Donc, je vais, quelque part, je vais donner mon CV et puis je vais trouver du travail. Donc, tu vas à l'église parce que y a des gens là-bas qui peuvent te donner du travail. Oh oui, 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 c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, vous savez, maintenant, il faut... Comment on dit ça, le cooptage, hein? Il y a déjà, il faut parler, on va parler de toi et tout ça. Mais quand est-ce que tu vas chercher Jésus-Christ? Mais entre-temps aussi, je cherche Jésus. Mais quelle est la priorité? Quelle est la première motivation pour laquelle tu es allé à l'église? Ça, ce n'est pas abandonner le Seigneur, ça, c'est abandonner le Seigneur. Pourquoi tu suis cette personne-là qui fait des lives, tu les suis régulièrement? Pourquoi? Non, parce que moi j'ai des problèmes, dans ma famille il y a des problèmes, alors lui comme il parle de la délivrance, alors moi je les suis parce qu'il parle de la délivrance. Donc tu les suis pas parce que c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu, et que Dieu te parle par cette personne-là, mais tu les suis tout simplement parce qu'il parle de la délivrance, et que toi, tu as des problèmes dans ta famille. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés, en ce moment-là, où est la part de Dieu? La part de Dieu n'est pas là. Ça, ce n'est pas abandonner l'Éternel, ça, c'est abandonner l'Éternel. Si aujourd'hui, tu écoutes un prophète qui te parle, il y a la Bible qui te parle aussi, mais toi, tu préfères suivre ce que le prophète te dit, au lieu de suivre ce
que la Bible te dit. Ça, ce n'est pas abandonner l'Éternel. Mais si, ça, c'est abandonner l'Éternel parce que tu as abandonné la parole de Dieu au profit de la parole d'un homme. Regardez ces jeunes hommes. Ces jeunes prophètes et les vieux prophètes. Les jeunes prophètes a écouté le Seigneur. Le Seigneur lui-même lui a parlé. Et le vieux prophète a écouté un ange qui lui a parlé. Et maintenant, l'ange-là qui pouvait venir d'où? L'ange-là, il venait de Dieu pour distraire, pour détruire, pour semer même la mort dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ce jeune homme a abandonné le Seigneur. Vous voyez les conséquences. La conséquence aussi, c'était la mort. L'abandon de Dieu, la conséquence, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Dieu, mais il a pesé la parole de Dieu et la parole d'un homme. Et il s'est penché sur la parole d'un homme. J'ai dit la vérité. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Et cette parole, elle est profonde. Cette parole, elle va changer un cœur. C'est ma prière. J'ai demandé au Seigneur éternel, permets qu'au travers de cette parole, qu'il y ait une personne qui prenne la décision de te suivre dans la vérité. Qu'il y ait une personne qui s'attache à toi dans la vérité. Qu'il y ait une personne qui quitte l'abandon. Combien de fois, bien-aimés, nous disons, oh Seigneur, pourquoi tu m'entends pas? Éternel, je prie, c'est comme si je ne priais pas. Mais est-ce que nous sommes dans le Seigneur ou pas? Bien-aimé, c'est ça, la Bible est claire. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Est-ce que nous sommes avec le Seigneur pour que le Seigneur soit avec nous? Nous prions, mais quand nous prions, c'est parce que nous mettons Dieu à la première place ou nous mettons Dieu où? Bien-aimé, quand aujourd'hui nous avons des problèmes, dans nos problèmes nous suivons ces prophètes, cet homme-là parce que chez lui, dans son église, les gens tombent. Pourquoi vous allez dans cette église? Ça c'est une autre réponse. Parce que là-bas, quand lui prie, les gens tombent. Tu vas là-bas parce que lui, quand il prie, les gens tombent, ou tu vas là-bas parce que tu veux rencontrer Jésus Christ qui a quelque chose à te dire. Toutes ces réponses-là, c'est des réponses que j'ai entendues, des vraies réponses. Peut-être vous aussi, vous avez entendu ces réponses-là. Bien-aimé, pourquoi tu vas dans cette église-là? Ah non, je vais dans cette église-là parce que mon père y va, parce que ma mère y va, parce que ma meilleure copine y va. Parce que ma meilleure amie va là-bas, alors moi aussi je vais là-bas. Donc toi tu vas là-bas parce qu'il y a ta meilleure copine, ta meilleure amie, tes parents, mais tu ne vas pas pour rencontrer Jésus. Vous voyez les motivations. Bien-aimés, nous pouvons être à l'église, mais le Seigneur ne nous voit pas. Parce qu'au fait, nous sommes allés parce qu'il y a notre ami qui est là-bas. Nous sommes allés parce qu'il y a tel qui est là-bas. Il y a certaines personnes, même quand ils suivent les lives là que nous sommes en train de suivre, il faut qu'il soit quelque part où il y a quelqu'un qu'il connaît. Et cette personne-là, ils vont commencer à se faire des commentaires et des choses comme ça. Parce qu'il y a tel que j'aime beaucoup, tel avec qui je parle beaucoup. Non, quand tu suis les lives, parce que tu apprends quelque chose de la part de Dieu, ou tout simplement parce que non, j'aime bien la tête de maman Micheline, j'aime bien ses lunettes, j'aime bien ça, j'aime bien son accent congolais. Non, bien-aimé, nous devons être partout où nous allons. Que ce soit au travers des réseaux sociaux, gloire à Dieu pour cette opportunité où nous suivons la parole de Dieu, que ce soit dans nos églises, nous devons aller parce que je veux, parce que je sais que le Seigneur va me parler. Et chaque matin, Seigneur, je prépare mon cœur. Seigneur, parle-moi. Mets quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Bien-aimés, et c'est ça, ce n'est pas abandonner le Seigneur. Oui, ça, c'est abandonner le Seigneur. C'est abandonner le Seigneur parce que nous allons pour un homme. Nous n'allons pas pour Dieu. Nous allons pour une chose. Nous n'allons pas pour Dieu. Nous allons pour chercher la délivrance. Nous allons pas pour chercher la personne qui donne la délivrance. Nous allons pour chercher la bénédiction. Nous n'allons pas pour la personne qui donne la bénédiction. Ah, si tu vas dans cette église-là, il y a beaucoup de voyages. Beaucoup de gens voyagent. Alors, je vais aller là-bas parce que moi aussi, c'est sûr que je vais voyager si je vais dans cette église. Donc, tu vas pas dans cette église-là parce que tu veux chercher. C'est Dieu-là qui donne le voyage, mais toi, tu es allé chercher juste un voyage. C'est pas étonnant. Quand tu vas voyager, dès que tu arrives en Europe, tu changes ta façon de t'habiller, tu changes tout, tu changes le langage, tu changes l'accent, tu changes tout, et tu vis maintenant comme si l'Europe c'était
Je ne sais pas comment je vais le dire, je suis en Europe. Écoutez, mais cela ne va pas m'éloigner de la parole de Dieu, m'éloigner de la voix de Dieu. Bien-aimés, nous pouvons abandonner le Seigneur. Si nous ne sommes pas dans le Seigneur ne sera pas avec nous. Il ne sera pas avec nous. Et quand nous allons le chercher, nous n'allons pas le trouver. Ce que nous devrions faire, c'est revenir à lui. Revenir. Le Seigneur dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Il non, ce qu'il honore. Revenons au Seigneur, afin que le Seigneur revienne à nous, bien-aimés. Afin que quand nous allons le chercher, qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver. La Bible est claire. Je réponds encore. La Bible est claire. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ah oui, abandonner le Seigneur. Le fait que la motivation qui nous mène à l'église n'est pas la motivation, il y a la gloire de Dieu. Le fait que, bien aimé, le fait que d'être là, combien de personnes qui vont à l'église, je vais à l'église parce que comme je ne veux pas dans les fêtes, il faudrait que mes habits, je les porte à l'église. Juste pour qu'on voit comment, pardon, la personne change des habits. Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Où est la part de Dieu? Je vais à l'église parce que ces jours-ci, si tu ne vas pas à l'église, les gens risquent de dire que tu es une sorcière ou tu es un sorcier. Donc, il faut aller à l'église. Comme ça, les gens verront que tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière. Il y a même des sorciers, des sorcières aussi, qui sont des fois aussi dans nos églises, malheureusement. Vous voyez? Et qui résistent. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont au milieu de nous, mais qui ne vont pas pour Jésus-Christ. Donc, quelque part, eux, quand ils viennent, ils trouvent une porte pour rentrer et pour agir, parce qu'au fait, il y a des gens qui ont vraiment, qui ont une ouverture, des portes, des brèches dans leur vie. Mais si chacun, chacune de nous, avant d'aller à l'église, nous prions, Seigneur, parle-moi, je vais pour toi, bien-aimé, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu, nous n'allons pas voir le feu du Saint-Esprit agir, nous n'allons pas voir l'Éternel se révéler puissamment. Moi, je pense que oui, nous allons voir Dieu se révéler puissamment. Oui, nous allons voir le Seigneur se révéler puissamment. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il y a des gens qui ont dit, pourquoi tu ne parles plus, je ne te vois plus à l'église. Ah non, j'aime plus aller parce que dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de gens, j'aime plus aller. Le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup de gens, pas beaucoup de gens. Dans une église peut avoir 3 membres, 4 membres, mais c'est une église puissante, vraiment puissante. Les 3, les 4 membres-là marchent dans la crainte de Dieu. Pourquoi tu ne vas plus à l'église? Ah non, 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 comment je vais aller? J'ai qu'un seul habit. Comment je vais aller? Les autres là-bas changent des habits. Ça, c'est une mauvaise motivation. Ou voilà, la motivation qui t'empêche d'aller à l'église, c'est une mauvaise motivation. Donc, quelque part, tu abandonnes le Seigneur à cause du fait que tu n'as pas d'habit, à cause du fait que tu ne parles pas français, à cause du fait que tu n'as pas un langage facile, à cause du fait que tu n'arrives pas à prier comme les autres. Ça, c'est abandonner le Seigneur, bien-aimé. Des fois, on ne fait pas attention. Hein. Ce sont des petites choses. Hein. Mais par ces petites choses-là, nous sommes déjà loin de Dieu sans qu'on s'en rende compte. Et le diable se frotte les mains. Le diable, il est content parce que quelque part, il nous éloigne de Dieu par des petites choses. Alors, c'est à vous et à moi, c'est à nous, bien-aimés. C'est à nous de revenir au Seigneur, de demander pardon à Dieu et de lui demander de nous aider et de lui demander, de lui dire, Seigneur, je veux me blottir dans tes bras d'amour, que j'aie à manger ou pas. Dans mon église, qu'il y ait 4 personnes ou 3, moi je veux là-bas pour toi, pas pour les autres. Même si je suis dans une église, il y a du monde, il y a 1000 personnes. Éternel, moi je ne vois pas les 1000 personnes, mais je te vois toi, toi que je vais chercher. Je te vois toi, toi que je vais honorer. Je te vois toi, je te vois toi. Si nous pouvions voir comme ça, je pense que dans nos églises, nous éviterons des problèmes. N'est-ce pas? C'est la vérité. Hein? Nous allons éviter vraiment des problèmes dans nos églises. Mais nous n'évitons pas des problèmes parce que chacun va avec sa motivation à elle. La motivation où on ne voit pas la gloire de Dieu. Où on ne voit pas, on voit pas l'intérêt de Dieu. Et parce qu'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans ce que je fais. Dans ce que ma soeur à côté fait, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Dans ce que l'autre, mon frère à côté fait, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. On se rencontre ensemble. Bien-aimé, chacun va vouloir se faire voir, non? Chacun va vouloir qu'on entende sa voix, qu'on parle d'elle, qu'on parle de lui. Et en ce moment-là, où est Dieu? Même si on dit Dieu de bouche, mais dans les cœurs, Dieu est loin.
Nous devons faire attention. Vous voyez, bien aimé, toujours dans 2 Chroniques 14, il y a quelque chose qui s'est passé avec Asa. Asa, Dieu est Dieu. Hein? Quand il nous avertit, il nous avertit. Le temps où nous sommes, il est mauvais, bien aimé. Nous sommes dans un temps mauvais. Dans ce temps où nous sommes, c'est ce temps où toi et moi, nous devons vraiment chercher le Seigneur. Nous devons vraiment être avec le Seigneur. Nous devons vraiment nous attacher au Seigneur. Parce que le temps est mauvais. Regardez à ça. Regardez, vous pouvez relire chez vous, hein? 2 Chroniques 14. Il a bien commencé des belles choses. Regardez les versets 7 et 8. Toujours 2 Chroniques 14. 7 à 8, la Bible dit, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant les boucliers et la lance, et de 280 000 de Benjamin, portant les boucliers et tirant des lacs, tous vaillants hommes. Zeresh, l'Éthiopien, écoutez bien, Zeresh, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maresha. Asa marcha au devant de lui, ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tchefata, près de Maresha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. » Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Alléluia. Hey, Yesu, Seigneur Jésus, je veux que nous puissions comprendre. S'il vous plaît, relisez encore ces passages. Si vous pouvez relire ça dans différentes versions, faites-le. Asa est attaqué. Asa a 300 000 personnes. Ce n'est pas beaucoup pour lui par rapport à son ennemi. Son ennemi Zeresh qui vit avec un million de personnes. Oh, Asa, il va mettre les intérêts de Dieu. Comment ça? Ça se voit. Là, vraiment, Asa cherche Dieu. Ça se voit. Asa va prier. Asa va dire, Seigneur, nous t'invoquons. Éternel Dieu de gloire, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Nous sommes faibles par rapport à Zeresh. Un million de personnes et 300 000 personnes. Nous sommes faibles. Mais dis Seigneur, viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Nous ne nous appuyons pas sur un homme, sur la parole d'un homme, sur le fait que nous, ce que nous voyons. Mais nous nous appuyons sur toi. Notre appui, ce n'est pas le nombre de personnes que nous voyons. Parce qu'ils sont 1 million, nous sommes 300 000. Mais notre appui, c'est toi. Là, à sa voix, la gloire de Dieu. Il voit les intérêts de Dieu. Et il dit, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Donc, c'est-à-dire, en ce moment où il y a ces combats, en ce moment où il y a cette guerre, ce n'est pas nous, Asa, et les enfants d'Israël et de Benjamin, qui allons combattre, mais c'est toi qui vas combattre. Parce que nous sommes venus devant cette multitude, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par toi. Seigneur, que l'homme ne gagne pas sur toi. Donc, Asa ne voit que les intérêts de Dieu. Asa voit Seigneur éternel, gagne ce combat, parce que ce combat est à toi. Nous sommes là que des instruments entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, dans l'œuvre que nous faisons, nous sommes que des instruments entre tes mains. Quand je suis là debout, pardon, assise chez moi, en train de parler au travers de Facebook, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Ma soeur, mon frère, qui te sert dans son église, dans tout ce qu'il fait pour toi, nous sommes tous que des instruments entre tes mains. Mais éternel Dieu de gloire, glorifie ton nom dans nos vies, glorifie ton nom dans nos paroles, glorifie ton nom, que ce soit toi qui puisse remporter la victoire. Alléluia, il est avec Dieu, Dieu va leur donner la victoire. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce que Asa a laissé Dieu en première place, en première position. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient. Dieu, le combat est à toi, le combat n'est pas à nous. Éternel, ta victoire sur les hommes, et les hommes ne peuvent pas avoir la victoire sur toi. Alléluia. On voit bien la gloire de Dieu, les intérêts de Dieu. Que Dieu soit loué. Mais regardez dans le chapitre 16. La même personne. Et vous voyez, entre les chapitres 14, les chapitres 15, les chapitres 16, au chapitre 15,
Au chapitre 14, il fait tous ses exploits. Dieu lui donne la victoire sur quelqu'un qui était plus fort que lui. Et le chapitre 15, Dieu vient l'avertir. À ça, tu restes attaché au Seigneur. Le Seigneur sera avec toi. Tu es avec le Seigneur, il sera avec toi. Tu le cherches, tu le trouveras. Là, Assa a cherché le Seigneur, il a trouvé. Mais si tu l'abandonnes, il va aussi vous abandonner. Regardez ce qui se passe au chapitre 16. Au chapitre 16, je vous l'ai dit toujours, je suis une enseignante par ma formation. Et grâce à Dieu aussi, j'ai dit Seigneur, merci parce que tu m'as appelé aussi comme enseignante de ta parole. C'est pourquoi je vais comme ça pour que nous puissions comprendre l'histoire. C'est juste une grâce. Amen, amen. Pour que nous puissions comprendre l'histoire. Regardez maintenant à ça, ce qu'il va faire au chapitre 16. La 36e année, pendant 35 ans, tout était calme, tout était bien, parce que Assa marche dans la crainte de Dieu. La 36e année du règne d'Assa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda. Et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Assa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Eh Seigneur, écoutez maintenant ce qu'Assa fait. Dieu lui a donné la victoire au chapitre 14. Au chapitre 15, Dieu lui a dit, attention, je t'avertis. Si tu m'abandonnes, je vais t'abandonner. Et au chapitre 16, il y a Baécha qui vient pour lui faire la guerre. Bien-aimé, quand nous demandons la foi, il faut qu'on passe par des épreuves pour qu'on voie si vraiment nous avons la foi. Quand nous demandons la protection, il faut passer aussi par les combats pour voir si vraiment nous avons l'assurance de cette protection, de cette assurance, de cette sécurité que Dieu nous donne. Baécha, le roi d'Israël, vient l'attaquer, le roi de Juda, Assa. Qu'est-ce qui se passe? Assa, le verset 2, sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie qui habitait à Damas. Assa va chercher secours auprès d'un païen. Il va chercher secours auprès de Ben-Hadad, le roi de Syrie. Assa qui a prié au chapitre 14. Éternel, devant cette multitude, c'est toi. L'homme ne peut pas te gagner. Ta victoire sur l'homme. Le Seigneur a montré sa victoire. Le Seigneur lui envoie l'avertissement. Attention, attention. Mais Assa maintenant va chercher l'aide, le secours d'un homme. Et comment il va chercher le secours de cet homme? Il va prendre les trésors de la maison de Dieu, les trésors de sa propre maison, il va aller donner, envoyer les messagers, donner ça à Ben-Hadad, le roi de Syrie, et il lui dit, bah, écoutez, rends ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, pour que Baécha s'éloigne de moi. Bien aimé, pas très longtemps, dans peu de temps, Assa oublie que devant les Éthiopiens, devant l'Éthiopie, Dieu lui a donné une grande victoire. Il a fait fuir les Éthiopiens devant ce petit nombre qu'il avait lui. Le roi d'Éthiopie qui avait un grand nombre. Mais Dieu lui a donné la victoire. Maintenant, il va s'appuyer sur l'homme. L'homme qui ne peut pas les sauver. L'homme qui n'a pas d'appui. Et comment il va s'appuyer sur cet homme? Il va prendre tout ce qui est à lui. Tout ce qui est de Dieu, de la part de Dieu. Il va se vendre. Il va tout donner. Ah, mon Dieu. Je me suis dit combien de fois, vous et moi, des fois nous ne nous vendons pas. Bien-aimés, les parents peuvent nous vendre. Oui, peut-être ils l'ont fait. Les grands-parents et tout. Il y a eu des liens de famille, des coutumes, des réclamations et tout. Mais combien de fois nous-mêmes aussi, 21e siècle, au 21e siècle où nous sommes, nous-mêmes aussi, nous nous vendons. Combien de fois nous-mêmes aussi, nous prenons tout ce qui est à nous. Bien que Dieu nous a avertis. Dieu nous a avertis. Quand tu vas quelque part, on te dit, tu donnes ton slip, tu donnes ton soutien-gorge, on va aller brûler ça pour brûler la malédiction. Tu t'es vendu. Tu t'es vendu. Quand tu vas quelque part où on déshabille une jeune fille devant tout le monde pour chasser l'esprit de prostitution. Et toi qui es là dans cette église-là, qui n'a pas quitté, renoncé à cette église-là, tu t'es vendu.
Quand tu vas quelque part où on invoque les saints, on invoque les morts, tu te vends, tu dois quitter. Mais si tu ne quittes pas, tu te vends, tu dois quitter et renoncer à ces choses-là. Quand tu vas quelque part où quelqu'un te dit, je vais te montrer comment avoir l'argent, tu peux avoir la Bible, mais de l'autre côté, mets du sel à tel endroit, mets de l'eau sous les lits, et toi tu obéis, tu les fais. Quelque part tu te vends, tu t'es vendu. Quand tu vas quelque part, on te fait faire des prières, et dans ces prières là on invoque les anges, on invoque les saints, et toi tu répètes ces prières, tu te vends, tu t'es vendu, exactement comme Asa. Asa s'est vendu. Il est en train, il prend ce qui est à Dieu. Donc, tout ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu nous a donné, la vie même que nous avons avec Jésus-Christ, nous vendons cette vie-là à cause des choses de ce monde. Parce que nous devons aller suivre quelqu'un. Bien-aimé, on va quelque part où on te dit, je ne sais pas, il faut boire cette huile pour être bien. Il faut. À un moment, c'était terrible. Les gens payaient des billets, aller très loin en Afrique pour suivre un pasteur. Voilà, j'ai dit comme ça, je ne vais pas citer les noms. Les gens allaient là-bas. Et puis après, pouf, il y a eu des gens qui sont morts. Et les gens qui sont allés là-bas, ils sont retournés chez eux avec beaucoup plus de démons qu'ils sont partis avec pour qu'ils soient délivrés. Au contraire, ils ont encore ramassé d'autres démons. Quelque part, bien-aimé, est-ce que ce n'est pas se vendre ça? Asa s'est vendu. Il a oublié l'avertissement de Dieu. Il est allé chercher secours auprès d'un homme en lui donnant ce qu'il avait de précieux, en lui donnant ce qui était précieux pour Dieu. Combien de fois les gens vendent même les dons que Dieu leur donne à cause de, comment dire, à cause de des places dans l'église ou les rôles, être une histoire vraie. Quelqu'un, Dieu lui a donné un don de connaissance. Il arrive quelque part où on veut faire de lui. Nous, on appelle ça les mamans Bikoudi. Vous savez, les femmes qui divinent, qui font la divination. Alors, on veut faire d'elle, cette femme-là, une divinatrice. Voilà. On veut faire d'elle une divinatrice. Mais merci Seigneur, parce que comme elle est aussi dans une famille qui prie, et pourtant elle avait déjà ses dons, Dieu lui a donné ses dons. Comme elle est aussi dans une famille qui prie, par la prière, le Seigneur va lui faire grâce. Et elle ne va pas tomber dans ce piège-là de la divination. Et elle n'a pas accepté. Parce qu'on voulait faire d'elle vraiment parmi les responsables. Vous voyez, à cause aussi des rôles ou à cause des postes. À cause des postes dans l'église. Et ça, l'église, on va déjà pour des postes. On ne va pas pour des postes. C'est Dieu qui élève. Hein? C'est Dieu qui va t'élever. Mais combien de gens qui vont commencer à accuser les autres auprès du pasteur, tout simplement parce qu'il veut avoir un poste à l'église. Il veut qu'on l'appelle ancien. Il veut qu'on l'appelle diacre. Il veut qu'on l'appelle, je ne sais pas, les bras droits du pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui va nous donner la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui va nous donner la vie éternelle. Soit à l'église, simplement, quand Dieu a quelque chose, parce que Dieu a quelque chose qu'il a mis en toi, si Dieu veut que cette chose-là sorte devant tout le monde, le Seigneur le fera. Tu feras aucun effort. Aucun effort, le Seigneur le fera. Parce que le Seigneur va te trouver. Il va te localiser. Et il va te prendre là où tu es. Là où tu peux te cacher, le Seigneur va te faire sortir. Tu vas te cacher comme Saül dans les bagages, le Seigneur va te sortir. Tu seras comme David en train de paître le troupeau, le Seigneur va te sortir. Quand c'est le temps de Dieu, le Seigneur le fera. Ne forçons pas les choses, mais laissons que Dieu agisse. Mais nous et vous, continuons à marcher dans la crainte de Dieu. Puisque nous continuons à marcher dans la crainte de Dieu, ce que Dieu veut faire, il le fera sans que nous puissions forcer, sans que nous puissions chercher par nous-mêmes, bien-aimés. Non, laissons le Seigneur intervenir et agir. Et à ça, regardez, il va aller chercher les secours de l'homme. Et les secours de l'homme n'est que vanité. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va lui envoyer aussi un de ses serviteurs, comme il a fait avec Azaria. Maintenant, il va envoyer Anani. Il a envoyé Azaria pour lui avertir. Maintenant, il envoie Anani, les versets 7 et 8. Dans ces temps-là, j'ai écrit 7 à 9, pardon.
Dans ces temps-là, Anani le voyant alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée des rois de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'es appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. » Et après, quand il est mort, il a eu des problèmes vraiment sérieux de santé et jusqu'à sa mort. Et même dans sa maladie, la Bible dit qu'il n'a pas cherché l'Éternel. Il est allé chercher le médecin. C'était mauvais de chercher le médecin, non. Mais ça appuyait sur ça. Il s'est appuyé. Donc, quelque part, il a abandonné l'Éternel. L'Éternel, il a ses yeux sur la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si le cœur est tout entier à Dieu, Dieu nous soutient. Mais si nous avons un cœur tantôt plutôt, tantôt oui, tantôt chaud, tantôt froid, Dieu dit quand tu es tiède, il te vomit. La Bible dit, bien-aimé, il vomit ceux qui sont tièdes. Parce que ceux qui sont tièdes, ce sont des monstres. Mi-homme, mi-ange, mi-homme, mi-démon. Ce sont des monstres. Tu es où? Tu es avec le Seigneur dans la lumière ou tu es de l'autre côté dans les ténèbres? Nous devons faire le choix. Chacun de nous doit faire le choix. Nous devons faire le choix, bien-aimés, d'appartenir à Jésus-Christ et de vivre dans la voie de Dieu. Le Seigneur nous avertit. Nous sommes dans un temps mauvais. Dans ce temps où nous sommes, beaucoup viennent dire, écoutez, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Je suis l'envoyé de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, attention, nous devons avoir le discernement. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Attention, bien-aimés, dans ces temps où nous sommes bien-aimés, les gens peuvent nous dire, viens, vous savez, là-bas, là-bas, il faut voir comment les gens tombent là-bas. Et regarde comment l'église, il y a même les gens dehors. Regarde la construction, regarde. Ce n'est pas la construction qui va nous sauver. Ce n'est pas la multitude, la foule qui va nous sauver, ce n'est pas le fait que les gens tombent qui va nous sauver. Il y a des gens qui vont là, à cet endroit-là, parce que tout simplement, les pasteurs, quand ils jettent la fesse, excusez-moi de parler, de dire pasteur, mais les gens qui sont là devant, hein, tout le monde n'est pas faux, parce qu'heureusement, merci Seigneur, les vrais sont là. Nous autres, nous sommes dans les vrais, et il n'y a pas que nous, beaucoup sont dans les vrais, même au travers des réseaux sociaux, beaucoup, moi je suis beaucoup qui sont vraiment dans les vrais, et je glorifie le Seigneur pour ça. Je l'ai dit beaucoup de fois, dans ce que j'ai donné, beaucoup de fois, j'ai répété la même chose, bien-aimé. Et aujourd'hui, le Seigneur me disait, c'est un avertissement que je donne à mon peuple. Pourquoi tu vas à l'église? Comment tu vas à l'église? Comment tu mets les genoux par terre pour prier? Il y a des gens, quand ils commencent à gêner, c'est tout le monde qui va savoir qu'il a gêné. Tu gênes pour qui? Tu gênes pour quoi? Si vous le faites en groupe, vous pouvez le faire en groupe. Nous, les femmes messagères, depuis le mois de novembre, nous avons commencé des prières sur Zoom. Vous nous avez vu mettre ça sur Facebook? Non, parce que tout simplement, il y a des choses aussi, il y a certaines choses qui doivent être secrètes. On ne met pas tout sur Facebook. Les gens qui vont donner leur sujet de prière, il y a des choses comme ça, oui, nous parlons, mais on ne met pas tout sur Facebook. On n'expose pas tout, bien-aimé. Il y a des sujets qui sont intimes. Il y a des sujets qu'on ne va pas les dire devant tout le monde. Non, évitons quand même certains sujets. Quand nous prions dans l'anonymat, beaucoup aussi le font, merci Seigneur. C'est juste pour éviter. Il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas l'anonymat, ça dépend. Mais moi, je préfère quand on prie comme ça, qu'on les fasse vraiment dans l'anonymat. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il y a des moments aussi qu'on peut passer ensemble, vraiment, sans que tout le monde voit que vous êtes là, en train de prier. Depuis le mois de novembre, je ne sais même pas là, je ne vois pas si les femmes messagères sont là, oui. Depuis le mois de novembre, nous sommes là. La première semaine, nous avions fait toute la semaine du lundi au dimanche. Et puis, le reste de la semaine, nous faisons du mardi au samedi. Nous le faisons par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, parce que tout ne va pas être devant les réseaux sociaux. Non, 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 non. Anniversaire
verser des enfants, réseaux sociaux. Et tout ça, réseaux sociaux, réseaux sociaux, réseaux sociaux. Et oui, continuez à les faire. Vous n'avez encore rien compris. La personne qui a compris ne le fera pas. D'ailleurs, les personnes qui ont compris ne le font pas. Les personnes qui ont compris ne le font pas. Bien qu'il y a des gens qui ont prêché, qui ont averti, qui ont averti, qui ont averti. Combien des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont averti. Mais les gens non, ne comprennent pas. Les photos des enfants, tu viens d'accoucher dans la maternité. Les photos de... Eh mon Dieu! Bon, vous allez dire, mais Dieu est vivant, Dieu est puissant. Mais quand Dieu t'avertit, il n'est pas puissant. Quand Dieu nous avertit, il n'est pas puissant. Quand Dieu nous avertit, il est puissant. Quand Dieu nous avertit, il est vivant. Quand Dieu nous avertit, il est capable de tout. Mais quand il nous avertit, il nous avertit. Parce qu'il connaît le futur. Nous, nous ne connaissons pas le futur. Nous voyons juste ce que je vois là maintenant. Ce qui va se passer 2 minutes après, je ne connais pas. Vous voyez, faisons très attention. 1 Roi 15 nous parle aussi de la même chose. Alléluia. Oh mon Dieu, être avec le Seigneur, marcher selon sa voie, bien-aimé, c'est honorer Dieu. Et si on ne marche pas dans la voie du Seigneur, on l'abandonne. Dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la Bible qui le dit. Jésus-Christ lui-même le dit. Vous m'aimez, hey, ok, c'est bien, vous dites que vous m'aimez, mais comment je saurai que vous m'aimez? Gardez mes commandements. Hein? La Bible est claire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est dans Jean, je l'ai dit, Jean 14, au verset 15. Voilà, et c'est ce que la Bible dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc, c'est-à-dire, je serai toujours là avec vous parce que vous gardez mes commandements. Parce que vous gardez mes commandements, je suis avec vous. Je prie le Père, il vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit, qui vous parlera de moi, qui sera là avec vous, qui vous conduira parce que vous gardez mes commandements. Donc, si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, c'est-à-dire que nous ne l'aimons pas, c'est-à-dire que nous l'avons abandonné. Et si nous l'avons abandonné, lui aussi, il nous abandonne. Après, nous allons crier. Le problème, c'est nous. Nous allons crier, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Eh, Seigneur, tu es injuste. Non, Dieu n'a jamais été injuste. Il n'est pas injuste. Mais le problème, la balle, c'est vraiment dans notre camp. Alléluia. Dans Jean 8, la Bible nous dit, dans Jean 8, Jean 8, 34 à 36, Jean 8, 34 à 36, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Alléluia! La liberté que nous avons de rester attachés au Seigneur, c'est le Fils qui nous a franchis. Or, Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il s'est donné, regardez dans Romains 6, 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le péché entraîne la mort, bien-aimé. Regardez les personnes qui ont déshonoré Dieu comme Assa, parce que nous parlons d'Assa. Le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous l'honorons, la vie éternelle est notre partage. Nous allons vivre l'éternité avec lui. Il va nous honorer. Nous l'abandonnons. Écoutez, il dira, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. À cause de ton iniquité, moi, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Regardons bien aimé ce que Timothée va dire dans 2 Timothée 4, de 3 à 8. Quelqu'un qui avait compris que si j'abandonne le Seigneur, il m'abandonne. Je dois demeurer en lui pour que je puisse vivre l'éternité avec lui. 2 Timothée 4, de 3 à 8. La Bible nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, comme aujourd'hui au 21e siècle, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça se passe encore aujourd'hui. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça se passe encore aujourd'hui, n'est-ce pas, bien-aimé? Mais toi, mais moi, mais nous, mais toi,
Timothée, Paul dit à Timothée, cette parole, le Seigneur nous le dit aujourd'hui. Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. Le verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat de la foi. Ce n'était pas facile, Timothée. Ce n'était pas facile. Il y avait des gens qui venaient avec des fausses doctrines, des hérésies, des gens qui venaient raconter des fables au lieu de parler de la parole de Dieu. Les gens qui prêchaient Christ pour leur ventre, pour leur intérêt. Les gens qui mettaient juste la Bible à côté et leur parole à gauche ou à droite. Il y en avait. Timothée, mais malgré cela, Timothée, j'ai combattu le bon combat. Timothée, j'ai gardé la foi. Je n'ai pas faibli parce que je sais ce qui m'attend. Donc toi aussi Timothée, combat ce bon combat. Restons bien aimés dans le bon combat de la foi, parce que le Seigneur nous attend, la couronne nous attend. Et il dit, Paul dit, Dieu lui-même, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera en ces jours-là où je les verrai, en ces jours-là où je vivrai l'éternité avec lui, en ces jours-là où je ne veux pas, il ne me dira pas, je t'ai jamais connu. Bien aimé, il y a des gens qui ont passé aussi des moments difficiles, mais parce qu'ils étaient avertis et ils ont pris l'avertissement au sérieux. Ces personnes-là sont restées attachées au Seigneur. Daniel, nous parlons souvent de lui. Nous parlons de Daniel. Nous parlons de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient avertis. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas prier un autre Dieu que leur Dieu. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tomber dans l'idolâtrie. Dans leur époque, de leur génération, quand ils sont allés à Babylone, beaucoup ont adoré les idoles. Mais eux, ils se sont distingués. Distinguons-nous de ces temps mauvais. Distinguons-nous, bien-aimés, même si nous serons seuls dans notre petit coin et que tout le monde ira pour suivre la foule. Restons seuls dans notre petit coin, mais avec Jésus-Christ. Restons seuls avec Jésus-Christ. N'allons pas suivre la foule, bien-aimés. Dans la foule, il y a tout. Dans la foule, il y a les gens qui viennent pour manger du pain. Dans la foule, il y a des gens qui viennent critiquer. Dans la foule, il y a des gens qui viennent voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Mais soyons des disciples. Les disciples suivent Jésus. Les disciples obéissent à Jésus. Les disciples marchent non pas selon eux, mais selon Jésus. Souvenons-nous de l'histoire d'Assa. Quand il a mis Dieu en première place, il a eu la victoire. Dieu était là. Mais quand il a mis l'homme en première place, il a eu l'échec de sa vie et ça s'est suivi jusqu'à sa mort. Alléluia. Il y a des gens dans la Bible, regardons Gédéon, mais généralement, je dis des Shadrach, Meshach, Abednego, les autres, ils sont restés positifs jusqu'au bout. Regardons Gédéon qui a combattu le combat de l'Éternel, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Regardons Néhémie, là c'est vraiment quelque chose de bien. Il est allé rebâtir la ville de Jérusalem en dépit des combats. Sambala viendra, Tobija viendra, mais Néhémie reste debout. Néhémie sait à qui il a cru. Il a fait passer les intérêts de Dieu devant ses intérêts. Que dirons-nous, bien-aimés, de toutes ces personnes, de Paul, de Pierre, de toutes ces personnes qui ont suivi Jésus? Il y a une personne, il y a Déborah, la femme Déborah, dans la Bible. Pourquoi nous parlons que des hommes pendant qu'il y a des femmes? Marie de Magda, il y a aussi des femmes, Marie de Magdala, des gens qui ont compris que quand je reste attaché à Jésus, Jésus-Christ sera aussi de mon côté. Où est-ce qu'on l'a mis, mon maître? Je vais le prendre, je vais prendre son corps, mon maître, je le cherche, parce que Marie savait et le Seigneur s'est révélé à elle, parce que elle a cherché le Seigneur, bien-aimé, malgré les combats, malgré la situation que nous traversons maintenant. On parle déjà d'une
troisième vague. Je vois là-bas, non, les puces, les vaccins, c'est pour nous contrôler. La 5G, c'est pour nous contrôler. Et pour ceci, pour cela, on va vous mettre, on a tout entendu. Au travers des vaccins, il y aura les 666. Je ne pense pas, parce que les 666, s'ils les mettent dans les vaccins, alors ces vaccins-là ne seront pas pour tout le monde. Parce que toi qui crois en Jésus-Christ, les vaccins, même s'il y a les 666, les 666 va se transformer en 999. Parce que les 666 ne peut pas s'attacher à toi. Comment ça peut s'attacher à nous? Pendant que nous, nous avons les sceaux du Saint-Esprit. Vous voyez? Nous avons les sceaux du Saint-Esprit. Il y a un monsieur dans la Bible. Vous savez, nous disons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux. Toutes ces personnes-là très connues. Mais il y a des gens aussi qui n'étaient pas connus, mais des gens qui ont fait des grandes choses. Ça m'a touché et j'ai dit, je vais finir par lui. Je vais finir par là. C'est le dernier verset qu'on va lire. Dans Juges 3, nous allons. Il n'y a que les deux versets qui parlent de lui. Dans Juges, il n'y a que les deux versets. Vous pouvez regarder, vous pouvez voir. Dans Juges 3, verset 31, la Bible nous dit, c'est le dernier verset d'ailleurs, la Bible nous dit de Juges 3, « Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. » Dieu a utilisé Mardoché, il a utilisé Esther, il a utilisé Ruth, il a utilisé Rahab, la prostituée. Dieu a utilisé Gédéon, il a utilisé Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, il a utilisé. Mais parmi les juges, il y a eu un monsieur qui s'est distingué. Lui, avec un aiguillon à bœuf, il a battu 600 Philistins. Il fut aussi un des libérateurs des enfants d'Israël. Mais le temps qu'il a vécu cet homme, ce n'était pas facile. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Déborah, la prophétesse, la juge, qui l'a dit. Nous allons voir dans Juges 5 et 6. C'est Déborah qui l'a dit. Juges 5, 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, les chefs étaient sans force, les hommes étaient sans force. Pendant ces temps, c'était à l'époque de Shamgar. Shamgar était là et pendant ces temps-là, la situation n'était pas bonne. Les routes, on dit, les routes étaient... Le verset 6, ils disent, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Donc, il y avait la sécheresse. La situation n'était pas bonne du tout. C'est comme aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Dans mon pays, déjà, la situation politique, elle n'est pas bonne. La situation politique n'est pas bonne tout simplement dans mon pays, mais sur la terre où nous sommes, la situation est politique, est économique, est sociale. La situation n'est pas bonne. Vous voyez, il y a la pandémie d'un côté, il y a la crise d'un côté. Les gens, le chômage, les gens ont perdu leur travail à cause de ce qu'on doit réduire le nombre de personnel et ainsi de suite. La situation, elle est difficile. De l'autre côté, spirituellement, beaucoup de faux prophètes, ils nous viennent avec des hérésies, ils nous viennent avec l'évangile qui sort de l'enfer, ils nous viennent avec les choses qui nous poussent à renier Jésus-Christ et à croire à eux. Combien de personnes aujourd'hui croient à un monsieur qui est né quelque part en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, je ne sais pas, et ils disent que c'est lui Jésus. Et ils disent que si vous ne croyez pas à lui, vous n'aurez pas la vie éternelle. Quelqu'un qui est allé faire des pactes quelque part, dans une forêt quelque part, quelqu'un de son pays l'a démontré. Malgré cela, la personne dit, écoutez, l'évangile est arrivé partout. Partout, je n'ai jamais voyagé à tel endroit. Mais tout le monde maintenant me prie. Lui-même, il est dit. Et il dit, si vous ne croyez pas en moi, vous n'aurez pas la vie éternelle. Il est dit, lui, oh mon Dieu, pardon, garde-moi. C'est lui qui l'est dit. C'est lui qui l'est dit. Moi, je sais que la vie, c'est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est dit. Il a fait des émissions. Dieu les laisse parce qu'il veut qu'ils se repentent. Mais entre-temps, il y a des gens qui les suivent. Les gens qui s'incline devant lui, les gens qui l'adorent, les gens qui les prient, les gens qui prient au nom de ces messieurs-là. Un humain comme vous et moi, né en 1900, je ne sais pas combien, peut-être dans 1900, je ne sais pas, 67, 68 ou 62, je ne sais même pas. Mais les gens s'inclinent devant lui, les gens l'adorent. Vous voyez, dans cette période où les gens sortent à gauche, à droite, aux résurrections, des faux miracles, mais on a retrouvé une femme qui est
été perdu, des faux miracles. Nous les voyons aujourd'hui. Oh, on a localisé telle femme. Oh, il y a ceci, des faux miracles, des miracles fabriqués, des miracles mensongers. En ce moment, bien-aimé, Shamgar a vécu aussi dans ces temps-là, difficiles. Mais cela ne lui a pas empêché d'être libérateur d'Israël. Avec un aiguillon à bœuf, il s'est dit, quel que soit le temps difficile, je n'ai pas l'arme, mais je prends ce que j'ai à main. Avec l'aiguillon à bœuf, il a battu 600 Philistins. Cet homme nous apprend aussi, n'est-ce pas, si cet homme n'était pas attaché au Seigneur, consacré toute sa vie à Dieu, il n'allait pas avoir cette idée de prendre l'aiguillon à bœuf pour aller battre les Philistins qui les maltraité à cette époque-là. Vous voyez, il s'est dit, écoutez, qu'est-ce que j'ai en main? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as en main? Peut-être que tu as aussi l'aiguillon à bœuf. Tu as quelque chose entre tes mains. Mais écoute, les ennemis de ta vie et de ta famille prendront fuite parce que toi, tu es sérieux. Tu es sérieuse dans ton engagement avec le Seigneur. Cet homme bien-aimé, c'est quelqu'un qui est sincère avec Dieu. Dieu lui a donné la victoire parce que lui, il était fidèle. Bien-aimé, nous voyons vous et moi, dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, nous devons demeurer fidèles à Dieu. Et Dieu ne nous abandonnera pas parce que nous serons à lui. Nous allons l'honorer. Sa parole sera notre partage. Bien-aimé, nous devons, malgré la situation difficile, demeurer fidèles. Malgré la situation difficile, honorer Jésus. Malgré la situation difficile, avec le peu que le Seigneur nous donne, bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Ne disons pas, je croise les bras, le Seigneur viendra, le Seigneur fera. Bien-aimés, en ce moment, c'est le temps où nous devons marcher encore dans la crainte de Dieu. Regardez quand le coronavirus a commencé, les gens ont tremblé tellement. Les gens priaient, les prières étaient organisées. Gloire à Dieu, alléluia. Mais après le premier confinement, ces personnes-là, on les a pas trouvées reprendre la mauvaise chose. Et puis les gens commençaient même à douter. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur nous avertit. Le temps où nous sommes aujourd'hui, faisons attention. Faisons attention parce que l'ennemi agit. Il sait qu'il lui reste que peu de temps. Et parce qu'il lui reste que peu de temps, il multiplie les stratégies. Il vient par ruse, il multiplie les stratégies pour chercher à nous éloigner de la voie de Dieu, pour chercher à nous éloigner du plan de Dieu, pour chercher à nous faire perdre ce que nous avons, à nous faire perdre même la vie éternelle. L'ennemi est prêt, il est prêt à nous faire perdre même la vie éternelle. Mais bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Nous avons la vie éternelle. Depuis les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Shamgar, bien-aimé, avec un aiguillon à bœuf, que les Philistins tombent. Et quand l'ennemi viendra, quelles que soient les personnes qu'il va utiliser au-devant de nous, que nous puissions les voir, parce que le Saint-Esprit nous aidera. Et l'ennemi tombera. Il tombera parce que nous sommes avec le Seigneur. Et nous sommes dans la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il nous a donné l'autorité de pouvoir. Bien-aimé, ne soyons pas suivistes. Bien-aimés, nous avons tout entre nos mains, la parole de Dieu. La parole de Dieu est là et la parole de Dieu nous donne la force. La parole de Dieu nous donne la force, bien-aimés. La parole de Dieu nous donne la force. Vous voyez, vous pouvez vous retrouver quelque part où vous priez pour quelqu'un. Vous êtes que vous deux là, vous êtes allés, vous priez avec la personne et puis pouf, la personne là commence à faire des manifestations. Tu vas faire quoi? Tu vas fuir? Tu vas crier? Tu vas appeler le pasteur? Tu vas faire quoi? Tu vas prier. Tu vas prier comme avec peur ou avec conviction. Tu vas prier. Donc, il faut que nous soyons armés, bien armés par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. C'est un avertissement. Attention, comment nous allons à l'église? Comment nous suivons même ces lives que nous suivons? Je l'ai dit au début. Si au début vous n'étiez pas là, vous pouvez suivre peut-être juste le début là. C'est très important. Mettons Dieu en première position, comme Asa l'avait fait au chapitre 14 de 2 Chroniques. Ne faisons pas ce qu'il a fait au chapitre 16, parce que ça entraînait l'abandon. Ça entraînait que Dieu puisse l'oublier, Dieu puisse lui tourner le dos. Et si Dieu nous tourne le dos,
où est-ce que nous allons regarder. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Je rends grâce à Dieu pour ce message qu'il m'a donné. Il m'a parlé, moi. Et je dis, Seigneur, aide-moi. Le temps est compliqué, le temps est dur. Sur la terre, nous traversons un moment difficile. Mais nous savons, Seigneur, que tu es là avec nous. Tu ne nous abandonneras pas. Qu'est-ce que nous allons prier? Nous allons dire merci au Seigneur pour, parce que sa parole, au travers de sa parole, il nous enseigne et il nous avertit. Et ce soir, il nous a encore avertis pour que nous puissions nous revoir, pour que nous puissions nous reconsidérer nos voies, voir un peu comment nous marchons, si nous sommes dans les vrais ou pas, afin que nous puissions revenir à lui totalement de tout notre cœur. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ta parole qui est la vérité. C'est vrai, moi-même, je me disais, Seigneur, comment je vais m'y prendre, mais gloire à toi, parce que tu m'as aidé vraiment dans ton amour. Tu m'as aidé à transmettre, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Jésus. Merci parce que tu as parlé aussi à mon cœur. Tu nous as donné ta parole et dans ta parole, tu nous donnes aussi des avertissements. Éternel Dieu de gloire, voilà comment tu as vu les ailes qu'Assa avait, mais tu l'as averti parce que tu savais ce qui pouvait arriver. C'est pour l'éviter de ne pas tomber dans les pièges là où il est allé tomber avec Ben-Hadad, le roi de Syrie. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous. Garde-nous à toi, Jésus, fidèle à ta parole, Jésus. En dépit de la situation que nous traversons aujourd'hui, 2020, c'était un moment, une année vraiment difficile. Nous ne savons pas ce que 2021 sera, mais toi, tu connais déjà tout. Si tu nous avertis, parce que tu sais, Seigneur Dieu de gloire, plus ta seconde venue s'approche, plus l'ennemi aussi agit encore vraiment sur cette terre. Il utilise même ceux qui se disent être de toi, juste pour embrouiller, juste pour semer la confusion dans nos cœurs, dans notre esprit. Jésus, aide-nous à voir le discernement, à voir clairement que là, oui, c'est toi, Jésus, et à voir clairement aussi que là, non, ce n'est pas toi. Que nous puissions avoir, Seigneur, ce discernement dans le nom puissant de Jésus. Garde tout un chacun, bénis tout un chacun, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Les servantes de Dieu, j'en ai vu quelques-unes. Peut-être que je ne saurais pas donner tous les noms, au fait. C'est pourquoi j'ai un peu du mal. Et je le fais toute seule, au fait. Donc, du coup, je vois quelques noms. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, les servantes de Dieu. Vous êtes dans les vrais, maman. Vous êtes dans les vrais. Demeurons toujours dans les vrais. Demeurons dans les vrais. Les faux est là, nous sommes dans les vrais. Et nous sommes là aussi pour avertir le peuple de Dieu, car Jésus-Christ revient bientôt. Amen, amen. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, la famille chrétienne. Soyez richement bénis. Je vous aime et merci pour votre participation. Soyez bénis. Au revoir.